Alléluia. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de la radio Sion. Bonsoir vous tous qui nous suivez sur les différents canaux, notamment YouTube, Facebook et Telenanga. Nous voulons plus que jamais ce soir prendre le temps de remercier notre Dieu et notre Père. Prendre le temps de nous disposer dans sa glorieuse et magnifique présence. Il a été bon envers chacun d'entre nous. Il nous a préservés de tout mal et de tout danger. Et ce soir, nous voulons plus que jamais revenir à ses pieds pour l'offrir une fois de plus encore cette offrande, cette mélodie qui émane de nos cœurs, cette mélodie que nous faisons monter comme un parfum pour lui dire simplement « Reçois favorablement les paroles de nos bouches, reçois favorablement les sentiments de nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Oui, Père, nous sommes là, uniquement là pour toi ce soir, dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous nous disposons, nous sommes là pour toi, Seigneur. Chez les débabos, nous aimons ta présence, Seigneur. Chanalo, chez les remassos, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis ce soir. Reçois favorablement les paroles de ma bouche,
les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Ce soir, reçois Père, reçois favorablement. Reçois l'expression de nos cœurs, les paroles de ma bouche, les sentiments de nos cœurs. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Seigneur, ce soir, viens remplir le vase que je suis. Reçois les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Ce soir, reçois. Abba, Père, reçois. Accepte l'offrande de ma vie ce soir. Oh, viens remplir le vase que je suis. Nous te supplions ce soir, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, reçois. Oui, les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie, Seigneur. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles, les sentiments. Accepte l'offrande. L'offrande de ma vie ce soir. Oh, viens remplir le vase que je suis. Ce soir, nous disons, reçois. Abba, Père, reçois. Oui, reçois. Oui, les paroles. Abba, Père, reçois les sentiments de nos cœurs. Chalere aussi accepte l'offrande. Viens remplir, nous te supplions. Reçois favorablement les paroles, les sentiments, Père. Sacrifice
ce soir, viens remplir. Oh lobo chaka, télé débauche, si télé débauche. Ce soir, tu nous as gardé tout au long de cette journée. Les paroles de ma bouche, les sentiments. Tu nous as préservé de tout mal, de tous les dangers. Accepte l'offrande de ma vie ce soir. Oui, viens remplir le vase. Viens remplir le vase que je suis. Reçois à ma paix. Ce soir, reçois. Oui, les paroles, les sentiments. Accepte, nous te supplions ce soir. Viens remplir, nous te supplions. Pour toute cette journée, nous disons reçois. Tu nous as gardé, tu nous as préservé, tu as pris soin de nous, nous sommes reconnaissants. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de mon frère, accepte l'offrande de ma sœur. Choroba a cité, oui, viens remplir. Ce sont nos cœurs qui viennent s'exprimer ce soir. Oui, reçois. Oui, les paroles, paroles, les paroles de ma bouche et de ma bouche. Accepte l'offrande, l'offrande de ma vie. Viens remplir, Père, que je suis. Mon Dieu est si grand. Ce soir, nous disons, notre Dieu est, notre Dieu est. Oh, mon Dieu est si grand. Grand ce soir, il fait de grandes choses, il fait d'innombrables choses. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand. Il nous a donné la vie, nous disons ce soir, mon Dieu, mon Dieu est si grand ce soir, mon Dieu est si grand pour nos familles, mon Dieu est si grand et si grand. Oui, ce soir, mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. Par ses bontés, nous jouissons de la vie. Mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu. Il est bon pour nos familles. Oh mon Dieu est. Ce soir nous voulons reconnaître. Ce soir nous voulons reconnaître. Ce soir nous voulons reconnaître. Mon Dieu est. Mon Dieu est. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon.
mon Dieu est si bon. Il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est si grand, sa grâce est sur ma vie. Il me remplit de lui à chaque instant. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon. Si bon. Mon Dieu, ce soir est si bon. C'est la raison pour laquelle je reconnais. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, et si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est. Mon Dieu, mon Dieu est. Mon Dieu est. Je compte ses bienfaits dans nos vies. Ses bienfaits dans nos familles. Mon Dieu est. Mon Dieu. Est-ce que tu peux simplement élever la voix et commençons à apprécier la présence de notre Dieu? Chere barabo sota baro shikete rico sota barabo shere barabo sa ikare dosita baro shite noze kere barado shite shokara barado shikata rakota barade shite nozote berero saya rakoto barabo shata barero si Rico masata baroshite, rebo soto boroboshete, reko masite, reka mazete rebo boboshata, erika tora maso, nous t'apprécions, nous te chérissons, ereko toso, mantere reboshite, ribo soto boroboshekete le mararosa, rakoshite, maraboshanda raboshika marabosete lere, rakimo soto, Romo Shaka Teremano Cité Eriba Zekato Ramadako Cité. Nous sommes reconnaissants. Roba Paroshikete, tu es tellement bon. Tu as fait d'innombrables choses. Nous t'apprécions, nous te chérissons, nous te valorisons, nous t'honorons et nous t'accueillons. Rabobobobochia, par ton esprit père, ce soir, avec des acclamations, avec des acclamations, avec des acclamations, dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi honoré la présence de Dieu et ensemble, nous disons Amen. Alors mon frère, ma soeur, ce soir,
Le Seigneur nous a encore fait grâce de nous tenir dans sa présence. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir vivre aujourd'hui. Selon qu'il est écrit dans le livre de Ésaïe 38 au verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Alors ce soir, la raison pour laquelle nous avons pris le temps d'honorer Dieu en disant que mon Dieu est si bon, c'est parce que sa parole le révèle. Alors ensemble, nous allons dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée tout au long de cette journée. Mon frère, ma soeur, élevons la voix maintenant. Prenons le temps avec nos dires, avec nos paroles, de lui dire merci. De lui retourner la gloire, de lui retourner les honneurs. Ô Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous venons ce soir, nous reconnaissons que tu es si bon. Nous l'avons dit, nous t'avons honoré, mais à présent, Abba, notre Père et notre Dieu, nous voulons le faire avec les mots, avec des phrases, avec l'expression de nos cœurs. Tu nous as accordé plus que jamais, tout au long de cette journée, de vivre. Nous reconnaissons que c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train d'élever la voix et de rendre les actions de grâce au Père? Est-ce que tu es en train d'élever la voix et de dire merci au Père pour toutes choses? La Bible nous enseigne de pouvoir offrir au Père comme sacrifice des actions de grâce. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de dire merci dans le nom puissant de Christ Jésus? Père, nous venons ce soir pour te rendre grâce pour la vie, car nous reconnaissons que ce n'est pas un acquis, nous reconnaissons que ce n'est pas un mérite, nous reconnaissons que ce n'est pas une habitude, nous reconnaissons que ce ne sont pas nos efforts, nous reconnaissons que cela ne vient pas de notre bonne conduite, mais nous attestons que tout n'est que grâce. C'est par tes bontés, c'est par toi Seigneur, c'est tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus, c'est avec foi, c'est avec action de grâce et avec reconnaissance que nous t'avons fait nos actions de grâce au nom de Christ Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir nous poursuivons dans les actions de grâce. Le Seigneur, tout au long de cette journée, nous a accordé sa protection divine. Il nous a accordé sa sécurité, notamment l'assurance, la tranquillité. Il nous a apporté son aide. Il nous a apporté sa défense. Il nous a apporté son secours. Et nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. C'est pourquoi ensemble nous allons dire Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la protection, pour la sécurité que tu nous as accordé tout au long de cette journée. Mon frère, ma soeur, élève la voix. Maintenant, commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te retiens pas. Le Père prend plaisir lorsque nous offrons des actions de grâce. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Père, dans le nom de Christ Jésus, je me joins à mon frère. Je me joins à ma soeur. Nous nous joignons à chacun d'entre nous pour pouvoir élever la voix et remercier tout ce que tu as fait, te rendre gloire, te rendre grâce, car tout au long de cette journée, tu nous as accordé la protection, tu nous as apporté ton aide, tu nous as apporté ta défense, tu nous as apporté ton secours, tu nous as apporté la sécurité, tu nous as apporté l'assurance, la tranquillité. Cela a été notre partage. Cela ne vient pas de nos prières, mais cela vient de ton cœur. Selon qu'il est écrit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Père, nous reconnaissons que cela vient de ton cœur. Nous reconnaissons encore que le nom du Seigneur est une tour forte et le juste y réfugie et se trouve en sécurité. La raison pour laquelle nous étions en sécurité, la raison pour laquelle nous étions dans la tranquillité, c'est parce que ce jour, tu nous as accordé la grâce de pouvoir expérimenter ces choses. Père, dans le nom de Christ Jésus, nous venons te remercier. Dans le nom de Christ Jésus, nous venons te rendre la gloire. Dans le nom de Christ Jésus, nous venons te rendre des actions de grâce. Reçois-les favorablement. Père, c'est avec foi, dans le nom de Christ Jésus, que nous avons rendu grâce. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous poursuivons dans les actions de grâce.
La Bible révèle une chose importante. Dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 8, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Père a tant aimé le monde qu'il a sacrifié Jésus par amour pour les hommes. Et plus loin, la Bible dit, voyez de quel amour le Père vous a aimé pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes désormais. C'est pourquoi en sommes allons dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour le sacrifice de Jésus le Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, élève la voix et commençons plus que jamais à remercier le Seigneur qui a sacrifié Jésus par amour. La Bible dit qu'il a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous, pour chacun d'entre nous. Il a connu la mort pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous revenons ce soir pour offrir des actions de grâce. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, tu as accepté, Père, plus que jamais, de sacrifier Jésus. Que Jésus puisse être crucifié pour chacun d'entre nous. Il a été crucifié, enseveli, mais il est ressuscité des morts. Oui, il est assis à la droite de Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que par Jésus, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons reçu la vie de Christ. Zoé, la vie divine de Dieu qui coule à l'intérieur de nous. La vie de Dieu qui a la capacité de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir apprécier sa présence, de pouvoir valoriser, de pouvoir chérir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous te rendons la gloire. Nous te rendons grâce. Merci pour l'œuvre que le Christ a achevée pour chacun d'entre nous. Merci de ce que Père, tu as aimé les hommes. Tu as sacrifié Jésus afin que les hommes sur la terre ne soient plus désespérés. Afin que les hommes ne soient plus esclaves du péché. Afin que les hommes ne soient plus esclaves de la servitude. Mais désormais, en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Nous avons la rédemption. Nous avons la guérison. Nous avons toutes choses en lui et pour lui seul. Paix dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous venons, paix, te rendre grâce. Nous venons te remercier. Nous venons te retourner l'expression de nos cœurs. C'est avec foi et avec action de grâce. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons rendu grâce. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, par l'œuvre que le Christ a accomplie, nous pouvons désormais être appelés le temple de Dieu. Selon qu'il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ? Aujourd'hui, nous sommes devenus la demeure de Dieu, le palais de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et les nombreuses choses que le Père nous a données par sa grâce, par son esprit, il nous a donné des relations. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons prendre le temps de remercier le Père pour la conscience qu'il a accordée au juste de pouvoir apprécier les relations qu'il utilise autour d'eux pour pouvoir glorifier, honorer Dieu. C'est pourquoi ensemble nous allons dire Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour toutes les relations que tu utilises pour nous conseiller afin de prendre de bonnes décisions. Élevons nos voix, mon frère, ma sœur, apprécions Dieu, rendons grâce à Dieu dans le nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père d'amour et de grâce, nous venons devant toi ce soir, nous venons te remercier pour toutes ces relations
que toi seul tu as mis autour de nous pour ces relations que tu utilises, Père, dans le nom de Christ Jésus, pour nous conseiller afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. De même que Père, tu l'as fait pour Paul en utilisant son neveu, Père, afin qu'il soit préservé des dangers. Seigneur et Père, nous te sommes reconnaissants. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que tu as en stock, que tu as réservé d'avance pour chacun d'entre nous ce soir. Et nous venons pour te retourner la gloire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Chere barobobobobo cité, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Rekosote barobobobobo cité, mereba soukere baro cité, rakoto barobo cité, mandebro soupregede de chata, orobasi katoro ma cité. Merci Père pour ces relations que tu utilises pour nous permettre d'être conseillés et de prendre de bonnes décisions. Abba, notre Père. Abba, notre Dieu, nous venons te rendre grâce, nous venons te dire merci. Oh, robobobo, chete kere kete kete, noto so pare kete zia, erokoto koshokoto. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu pour les relations qu'il utilise pour nous conseiller, pour prendre les bonnes décisions? Ah, car à tout moment, nous pouvons nous retrouver en train de prendre de mauvaises décisions. Mais le Seigneur, dans sa bonté et dans sa grande miséricorde, il utilise les hommes afin de nous permettre d'être conseillés, d'apprendre et de prendre des bonnes décisions. C'est avec foi, c'est avec action de grâce, dans le nom de Christ Jésus, que nous avons prié le Père. Et ensemble, d'un commun accord, nous disons Amen. Amen. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, nous poursuivons dans les actions de grâce. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Nous voulons rendre grâce à Dieu de ce qu'il peut utiliser les subordonnés pour nous avertir. Même lorsque nous pensons et même lorsque nous savons que nous sommes des autorités ou des hautes personnalités. Moïse avait reçu de Dieu des instructions. Mais dans sa façon de gérer les choses, Dieu a utilisé son beau-père Jéthro pour pouvoir apprendre certaines réalités de la vie. Comme quoi, Dieu n'a pas qu'une seule façon de pouvoir parler aux hommes. Il utilise plusieurs canaux pour pouvoir parler aux hommes. C'est pourquoi ce soir, nous allons dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tous les hommes, pour toutes les relations que tu utilises pour pouvoir nous avertir, même lorsque nous savons que nous sommes des autorités ou des hautes personnalités. Élevons la voix, mon frère, ma sœur. C'est le temps plus que jamais d'élever la voix et de rendre grâce à Dieu. De même que Moïse était dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, il avait reçu de Dieu des instructions. Mais dans la gestion, le Seigneur a utilisé Jéthro, son beau-père, qui n'était même pas dans la présence de Dieu. Comme quoi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon frère, ma sœur, il y a des relations que le Seigneur a utilisées pour que nous puissions prendre des bonnes décisions dans la vie. Il y a des personnes que Dieu a utilisées, des personnes subordonnées que le Seigneur a utilisées par sa grâce et dans son grand amour. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous venons pour t'offrir des actions de grâce. Nous venons pour te dire merci. Merci parce que nous croyons. Merci parce que c'est toi, Père, dans ton amour infiniment grand, tu utilises les subordonnés pour pouvoir nous avertir. Avertir, même lorsque nous savons que nous sommes des autorités, même lorsque nous savons que nous sommes des hautes personnalités. Père, par ta grâce et par l'assistance de ton esprit, tu nous permets de pouvoir comprendre ces choses. Tu nous permets de pouvoir comprendre ces choses. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Abba, notre Père et notre Dieu, dans le nom puissant de Christ Jésus, avec action de grâce, avec foi et reconnaissance, nous avons prié le Père et ensemble d'un commun accord, nous disons Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ce soir nous poursuivons dans les actions de grâce. Nous voulons prendre le temps plus que jamais de rendre grâce à Dieu. Pourquoi ?
Nous voulons rendre grâce à Dieu toujours pour les relations qu'il a placées autour de nous pour pouvoir nous apporter conseil. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que nous savons que des fois, que ces personnes-là n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas la compétence dans les domaines. C'est pourquoi Dieu nous donne ces relations. Des fois, Dieu se rend compte que nous manquons de sagesse, nous manquons de stratégie, nous manquons la façon de faire. Il met autour de nous des relations pour pouvoir nous conseiller. Et à cause de ces choses, nous voulons ensemble dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour toutes les relations que tu as placées autour de nous pour nous conseiller. Mon frère, ma sœur, élevons la voix, commençons à rendre grâce à Dieu, car il arrive des fois que nous manquons de sagesse. Il arrive des fois, mon frère, ma sœur, que nous manquons de compétences dans tous les domaines. Mais Dieu, par sa grâce, il utilise les relations pour pouvoir nous atteindre. Il utilise les relations pour pouvoir nous conseiller. Il est écrit que le salut se trouve dans une multitude de conseillers. Nous reconnaissons que le Père utilise les conseils pour pouvoir nous recadrer, pour pouvoir nous ramener dans le droit chemin. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, ce soir nous venons dans ta présence avec des cœurs remplis de gratitude pour te dire merci, pour te rendre la gloire, pour toutes les relations autour de nous que tu utilises. Nous te sommes reconnaissants. Abba, notre Père et notre Dieu, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous te disons merci pour ces relations. Abba, notre Père et notre Dieu, merci pour cette conscience que tu nous donnes de pouvoir savoir que lorsque nous investissons dans ces relations, ce sont des semences que nous allons récolter dans le futur. Des semences que nous allons récolter dans le futur. Comme la Bible dit que la bonne semence, lorsqu'elle trouve la bonne terre, un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Nous croyons que Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, que les semences qui ont été faites dans la vie plus que jamais, notre Père et notre Dieu, de ces relations, nous récoltera cela au centuple. Dans le nom de Christ Jésus, c'est la raison pour laquelle nous revenons devant toi, précieux Père d'amour et de grâce. Dans le nom de Christ Jésus, avec foi et avec action de grâce, nous voulons plus que jamais t'acclamer encore, t'apprécier encore, te célébrer encore, parce que nous croyons que tu as pris plaisir à nos actions de grâce. Dans le nom puissant de Christ Jésus, avec action de grâce et reconnaissance, nous avons prié le Père ainsi, et ensemble, nous disons Amen. Amen. Alors mon frère, ma sœur, alors que nous avons pris le temps d'offrir au Père des actions de grâce, nous voulons cette fois-ci prendre le temps de prendre la défense, prendre le temps de détruire toutes les œuvres des ténèbres et recommander notre nuit à la grâce du Seigneur. À ce propos, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5 que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'apôtre Paul, ayant reçu cette révélation poussée par l'Esprit, il nous montre qu'il y a des raisonnements qui peuvent empêcher les justes d'expérimenter ou de vivre ou d'apprécier ce que le Père a en stock ou en réserve pour chacun d'entre eux. Or, les œuvres des ténèbres de foi se manifestent par des raisonnements et par des systèmes de pensée. Ces systèmes de pensée poussent ou emmènent les justes à ne point avoir de gratitude ou de la reconnaissance envers les personnes que Dieu a utilisées pour les conseiller. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements et les systèmes de pensée qui poussent les justes à ne pas avoir de gratitude, à ne pas avoir de reconnaissance. Mon frère, ma sœur, élève la voix maintenant. Commence à renverser ces raisonnements des ténèbres qui empêchent les justes de pouvoir être reconnaissants envers les personnes que Dieu utilise dans notre quotidien, envers les personnes que Dieu utilise autour de nous. C'est de l'ingratitude, c'est l'œuvre des ténèbres. Alors ce soir, dans le nom de Christ Jésus, nous prenons autorité. Nous venons comme un seul homme, de même que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres, se manifestant par les raisonnements et les systèmes de pensée d'ingratitude,
de manque de gratitude, de manque de reconnaissance envers les personnes que Dieu a utilisées pour nous conseiller. Que tous ces raisonnements tombent au nom suprême de Jésus. Que tous ces systèmes de pensée soient ébranlés dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous prierons encore et encore, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas le temps de se taire. Ce n'est pas le temps de rester tranquille. C'est le temps de parler. Il y a certains arbres qui peuvent tomber par un coup de hache. Mais il y en a d'autres. Il faut plusieurs coups. Il faut plusieurs coups. Oh, dans le nom puissant de Christ Jésus. Ce soir, que ces raisonnements soient renversés. Que ces raisonnements soient renversés. Au nom puissant de Christ Jésus. Que cela tombe. Que ces murailles, que ces forteresses érigées dans les âmes, érigées dans les habitudes, érigées dans le quotidien, érigées dans le langage, que ces raisonnements, par la puissance et l'autorité du nom de Christ Jésus, soient renversés. C'est avec foi et avec action de grâce. Nous croyons que cela est plus que jamais fait avec action de grâce. Au nom de Christ Jésus, nous disons Amen. Le Seigneur nous permet par sa grâce d'identifier encore comment les œuvres des ténèbres se manifestent. Elles se manifestent toujours par des raisonnements. Mais cette fois-ci, c'est par un sentiment de mépris, un sentiment de supériorité envers les employés ou envers les subordonnés. C'est tellement plus simple de pouvoir apprécier celui qui te fait du bien. Mais c'est tellement combien difficile de pouvoir ne pas honorer la personne qui n'a rien à te donner. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons tous les raisonnements de mépris, de supériorité envers les employés ou les subordonnés. Mon frère, ma soeur, élevons la voix ce soir maintenant dans le nom puissant de Christ Jésus. C'est le temps de détruire, c'est le temps de renverser, de renverser. Aucune muraille ne tiendra. Cela est abattu, cela est arraché. Dans le nom de Christ Jésus, nous prierons encore et encore. Nous renversons ces raisonnements par l'autorité qu'il y a dans le nom puissant de Christ Jésus. Ce soir, que tout raisonnement des ténèbres se manifestant par un sentiment de mépris, par un sentiment de supériorité envers les employés ou subordonnés, que ces raisonnements tombent dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous mettons fin à cela, nous mettons fin à ce cycle, nous mettons fin à cette influence des ténèbres dans le nom puissant de Christ Jésus. Ce système de pensée qui pousse les justes à ne pas suivre certains conseils qu'ils reçoivent, car ils les trouvent ridicules. Non, personne n'est ridicule. Aucun conseil n'est ridicule. Tout ce que Dieu dit au travers d'un homme est excellent, est parfait et pour notre bien. C'est pourquoi, dans le nom de Christ Jésus, que les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, maintenant, cela est renversé. Maintenant, au nom suprême de Jésus, nous croyons que ce que nous disons arrive maintenant, les raisonnements tombent, les murailles tombent, les forteresses tombent, de mépris, de sentiment de mépris, de sentiment de supériorité. Dieu nous a créés et Dieu nous aime tous au même point d'égalité. Il ne fait exception de personne. Alors ce soir, dans le nom puissant de Christ Jésus, que tous ces raisonnements tombent, que tous ces raisonnements quittent la vie des justes maintenant, avec effet immédiat, au nom suprême de Jésus, nous ordonnons et nous commandons que cela est renversé, nous ordonnons et nous commandons que cela est détruit, dans le nom puissant de Christ Jésus. Ces raisonnements sont renversés, ces raisonnements sont détruits ce soir, maintenant, avec foi et reconnaissance, dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons prié le Père et nous croyons que cela est fait. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir nous poursuivons dans la destruction des œuvres des ténèbres. Le Seigneur nous dit dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous donne le pouvoir, le droit de commander et d'être obéi. De même, il a dit aux disciples, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, montrant ainsi, comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il nous a donné son autorité pour exercer l'ordre sur la terre. » Alors nous voulons plus que jamais prendre le temps de détruire et de ruiner les œuvres des ténèbres qui se manifestent encore par l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil pousse les justes à mépriser ou à ne pas écouter les subordonnés ou les employés. La raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, les gens méprisent, les justes méprisent ce qui leur est dit, c'est parce que quelquefois, il y a la manifestation des œuvres des ténèbres, donc l'influence de l'esprit d'orgueil. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les œuvres de l'esprit d'orgueil. Mon frère, ma soeur, élève la voix maintenant. Commence à détruire ces œuvres. Mon frère, il ne faut pas sous-estimer ces choses. L'orgueil ne fait pas partie des justes. Toutes les fois que l'on devient orgueilleux, le diable peut prendre congé. Mais toutes les fois que nous nous humilions, le Père se manifeste. Toutes les fois que nous devenons orgueilleux, Dieu nous résiste. Mais nous nous refusons cela dans notre vie, dans le nom suprême de Christ Jésus. Mon frère, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Dans le nom puissant de Christ Jésus ce soir. Dans le nom puissant de Christ Jésus, que toutes les œuvres de l'esprit d'orgueil qui poussent les justes à ne pas demander conseil alors qu'ils savent que le salut se trouve dans une multitude de conseillers, que ces œuvres des ténèbres ce soir soient détruites au nom suprême de Christ Jésus. Oh, nous refusons les œuvres des ténèbres dans la vie de juste. Ces œuvres des ténèbres qui se manifestent par le manque d'humilité. Le manque d'humilité, alors que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous refusons que Dieu nous résiste. Et ce soir, que toutes les œuvres des ténèbres, quelles qu'elles soient, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de détruire? Est-ce que tu es en train de détruire ces œuvres des ténèbres qui empêchent les justes de pouvoir s'humilier, de les demander conseil? Non! Que ces œuvres soient détruites, que ces œuvres soient renversées aujourd'hui, ce soir, dans le nom suprême de Christ Jésus. Ces œuvres sont détruites, ces œuvres sont ruinées par la puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. C'est avec foi et avec action de grâce. Nous avons prié et nous croyons que cela est fait. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous n'ignorons pas les œuvres des ténèbres. Alors ce soir, nous voulons poursuivre et continuer à détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres se manifestent encore tantôt par l'esprit de peur. La peur de ce qu'on dira, la peur du regard des autres, la peur de se tromper ou par orgueil. Ces choses-là ne doivent pas avoir part au milieu de nous. La Bible dit que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. C'est pourquoi ce soir nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres de l'esprit de peur. Mon frère, ma soeur, élevons la voix maintenant. Les œuvres des ténèbres se manifestent par l'esprit de peur. La peur de ce que les autres diront. La peur du regard des autres. La peur de se tromper. Ou la peur. Ou par orgueil. Non, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Par lequel nous écrions à ma Père. L'esprit d'audace. L'esprit de courage. L'esprit de Dieu. Dans le nom de Christ Jésus. Ce soir, que toutes les œuvres des ténèbres se manifestant par l'esprit de peur soient détruites.
Que ces œuvres soient détruites, que ces œuvres soient renversées dans le nom suprême de Jésus, dans le nom puissant de Christ Jésus. La peur de ce que l'on dira, la peur du regard des autres, la peur de se tromper ou par orgueil. Ce soir, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, Rokoto koto shekete, Rakoto soto, Iparo koto ze, Ere koto zo matere bobo site, Ikaro zite verebe shatabarobosa. Que ces œuvres soient détruites, qu'elles soient détruites jusqu'au moindre centime, jusqu'à la racine, qu'elles soient déracinées, extirpées, arrachées, enlevées, détruites au nom suprême de Jésus. Nous croyons que cela est fait avec action de grâce, avec foi, dans le nom de Christ Jésus. Nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons continuer ce soir à détruire les œuvres des ténèbres. Nous n'ignorons pas ces desseins. Alors les œuvres des ténèbres se manifestent tantôt par l'esprit de faux conseils. Achitophel avait reçu de faux conseils. C'est pourquoi David pouvait dire « Père, vois leurs menaces et rends à néant les conseils d'Achitophel. » C'est pourquoi mon frère et ma sœur ce soir, dans le nom de Christ Jésus, nous allons détruire toutes les œuvres de l'esprit de peur. Et ensemble, nous allons dire « Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les œuvres de l'esprit de faux conseil qui poussent les justes à accepter les mauvais conseils qu'ils reçoivent. Mon frère, ma sœur, élevons la voix et commençons à détruire toutes ces œuvres dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'ignorons pas les desseins du royaume des ténèbres. Et ce soir, dans le nom de Christ Jésus, il est écrit « Former des complots » et cela sera annulé dans le nom puissant de Christ Jésus. Que toutes les œuvres de l'esprit de faux conseils qui poussent les justes à accepter les mauvais conseils qu'ils reçoivent, que cela soit détruite. Que cela soit renversé maintenant. Que cela soit renversé maintenant. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Que ces œuvres soient ruinées. Que ces œuvres soient détruites. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Que toutes ces œuvres soient détruites. Quelles qu'elles soient. Oui, l'esprit. Les œuvres de l'esprit de faux conseil. Que cela soit détruit dans la vie des justes maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. C'est avec foi et avec reconnaissance que nous avons prié. Et nous croyons que cela est fait avec action de grâce, avec reconnaissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons pour détruire les œuvres des ténèbres. Elles se manifestent encore tantôt par l'esprit d'égoïsme, le manque d'amour et de lâcheté. Ces choses poussent les justes à ne pas donner de conseils aux personnes autour d'eux. C'est pourquoi ensemble nous allons dire Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les œuvres de l'esprit d'égoïsme, de manque d'amour ou de lâcheté qui poussent les justes à ne pas donner de conseils aux personnes autour d'eux. Mon frère, ma sœur, élève la voix maintenant et commence plus que jamais à détruire les œuvres de l'esprit d'égoïsme. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qui montre qu'on est en Christ, quand on aime, on donne. On ne se retient pas, on donne. C'est pourquoi dans le nom de Christ Jésus, nous venons détruire sur la vie des justes toutes les influences de l'esprit d'égoïsme, toutes les influences de l'esprit du manque d'amour, toutes, plus que jamais, toutes ces œuvres qui n'honorent pas Dieu, toutes ces œuvres qui ne glorifient pas le Père. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous détruisons ces œuvres jusqu'à la racine. Cela est arraché, cela est enlevé, cela est extirpé. Dans le nom suprême de Christ Jésus, dans le nom suprême de Christ Jésus,
Nous croyons que cela est fait. Alors que nous sommes en train de parler, cela prend place maintenant. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'exercer l'autorité? Ce n'est pas le temps de rester tranquille. Ce n'est pas le temps de se taire. C'est le temps de parler. La Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Mon frère, ma soeur, élève la voix. Détruis toutes les œuvres des ténèbres. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut que quelqu'un mette fin à ces choses. Il faut que quelqu'un se lève. Et ce soir, Dieu a choisi chacun d'entre nous. Et ce soir, Dieu t'a choisi, mon frère. Et ce soir, Dieu t'a choisi, ma soeur. Détruis toutes les œuvres des ténèbres au nom de Christ Jésus. Que toutes ces œuvres de l'esprit d'égoïsme ou de manque d'amour ou encore de lâcheté qui poussent les justes à ne pas donner de conseils aux personnes autour d'eux. Nous mettons fin à ces œuvres. Nous mettons fin à ce règne. Nous mettons fin à ce cycle dans le nom suprême de Christ Jésus. Avec foi et avec action de grâce, nous croyons que cela est plus que jamais fait avec reconnaissance, avec foi et ensemble au nom de Christ Jésus. Jésus, nous disons amen. Mon frère, ma soeur, à présent nous voulons prendre l'arme que le Seigneur nous a donnée, la seule arme qui a destitué l'enfer, la seule arme qui a destitué l'ennemi qui est le diable, Satan. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 12:11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La Bible montre encore dans Hébreux 9:21, la Bible parlant de Moïse, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, ce soir nous allons prendre le temps d'asperger le sang, de plaider le sang, à la fois sur nos vies, à la fois dans nos relations, à la fois dans nos familles. C'est pourquoi ensemble nous allons dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous aspergeons le sang sur nos vies, sur celles de nos relations, sur celles de nos maisons, sur nos biens et sur nos pays. Élevons nos voix, mon frère, ma soeur. C'est le temps d'asperger le sang. C'est le temps de plaider les mérites du sang. Robo bobo boro koshoto borobose. Enarabobo chete. Rakoto barae. Nekato borobosite. Kakarosite. Nakoto baradesito boroboshete. Nakazuzedea. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous plaidons le sang de Christ Jésus, les mérites du sang de Jésus le Christ, la seule arme qui a dépouillé les enfers, la seule arme qui a dépouillé Satan, la seule arme qui l'a destitué, lui et toute sa bande. C'est pourquoi nous nous tenons sur la base que l'œuvre que le Christ a accomplie par son sang et nous plaidons les mérites du sang, le sang de Jésus le Christ sur nos vies, le sang de Jésus le Christ sur nos familles, le sang de Jésus le Christ sur nos territoires, le sang de Jésus le Christ sur nos relations, le sang de Christ Jésus sur nos pays. Maintenant, nous aspergeons le sang. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de plaider le sang? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de plaider les mérites du sang? Ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu, nous avons vaincu à cause du sang et de la parole de nos témoignages. Ça veut dire que nos paroles comptent. Mon frère, ma soeur, tes paroles comptent. Mon frère, ma soeur, nos paroles comptent. C'est le temps de parler, c'est le temps d'asperger le sang sur nos biens, d'asperger le sang durant cette nuit. Plaidons les mérites du sang de Christ Jésus. C'est une ligne infranchissable. Aucun démon ne peut pénétrer. Aucun diable ne peut résister. Ce soir, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous plaidons les mérites du sang. Les mérites du sang. En lui, par son sang, nous avons reçu la rédemption. Ça veut dire que par son sang, nous sommes préservés. Nous sommes gardés. Nous avons la délivrance. En lui, par son sang, nous plaidons les mérites du sang. Le sang de Christ Jésus. Si le sang d'un agneau a pu préserver le peuple d'Israël dans Goshen, à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, le sang de l'agneau de Jésus le Christ. Élevons nos voix, mon frère, ma soeur, plaide les mérites du sang. Ne te retiens pas, ne t'arrête pas, plaide les mérites. Nous plaidons, nous aspergeons le sang de Christ Jésus sur tout ce qui est nôtre, sur tout ce qui est nôtre. Nous plaidons les mérites du sang précieux de notre Rédempteur, de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus le Christ. Avec foi,
Et avec action de grâce, nous avons prié le Père. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons prendre le temps d'acclamer Dieu, d'acclamer Dieu, d'acclamer Dieu, d'acclamer Dieu? Oh, nous ne nous lasserons jamais de le faire. Il est écrit, peuple, battez des mains et poussez des cris de joie. Mon frère, est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que là où tu es, tu peux pousser des cris de triomphe? Nous triomphons, Jésus le Christ. Nous avons le triomphe en Jésus le Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux à cause du sang et de la parole de notre témoignage. Alors je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, où que tu sois maintenant. C'est le temps d'élever la voix et de rendre grâce à Dieu pour sa bonté, de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Durant ces temps de prier, il nous a assistés, il nous a remplis, il nous a conduits, il nous a fortifiés par son esprit. Mon frère, ma soeur, ne te retiens pas. Élève la voix maintenant et commence à dire merci au Père. Rends-lui la gloire, rends-lui l'honneur, rends-lui les actions de grâce. Il a tellement fait ce soir. Ereba shotoro bareo cité, kere marabro dosite berebere chata. Seigneur, merci pour la capacité que tu as accordée à mon frère. Merci pour la capacité que tu as accordée à ma sœur. Merci pour la capacité que tu nous as accordée de pouvoir nous tenir en ta présence, de pouvoir prier. Tu as fortifié nos membres. Tu n'as fortifié nos genoux languissants, tu as fortifié nos mains fatiguées. Seigneur et Père, tu nous as donné par ton esprit d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons la gloire. Père, nous te rendons des actions de grâce. Ce soir, nous sommes plus que jamais reconnaissants. Ce soir, nous sommes plus que jamais reconnaissants. C'est la raison pour laquelle nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons pousser en ton honneur des cris de triomphe, pousser des cris de joie, parce que toi, tu nous fais triompher toujours en ton nom. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que nous avons pris le temps de rendre les actions de grâce au Père avec foi. Avec gratitude, nous croyons que cela plus que jamais est fait. Avec reconnaissance, dans le nom de Christ Jésus. Et ensemble, nous disons Amen.